Bonjour. Aujourd'hui, pour notre cours de karaté, je vais vous proposer ce que nous avons appelé les aides à la pratique. Les aides à la pratique, ce sont tout simplement des exercices qui permettent d'améliorer les mouvements qu'on a déjà appris en prenant un certain nombre de détails de ces mouvements et en s'y appesantissant et en les améliorant de façon à ce que le mouvement globalement soit mieux fait ensuite. On va choisir pour se faire un mouvement qu'on a déjà vu, donc Oizuki. Alors les aides à la pratique, ce sont tout simplement des éducatifs. Les éducatifs, ça peut être proactif, c'est-à-dire que ça peut s'apprendre avant même d'apprendre le mouvement, proactif, avant l'action. Et ça peut être rétroactif, c'est-à-dire que ça peut s'apprendre après avoir appris le mouvement globalement. Aujourd'hui, nous allons plutôt travailler sur des éducatifs rétroactifs, puisqu'on a déjà vu le mouvement. Avant de commencer, je vous rappelle un détail quand même assez important, c'est qu'avant toute activité physique, il convient de bien s'échauffer, et plus particulièrement lorsqu'on pratique un art martial, une discipline comme le karaté. Si vous avez des façons personnelles de vous échauffer, parce que vous êtes déjà sportif, à ce moment-là, vous voulez les utiliser. Sinon, vous avez sur ce même cours des séances qui sont réservées à l'échauffement, différentes séances d'échauffement que vous pouvez consulter et ça peut vous aider un petit peu. Donc, je vous demanderai avant chaque cours que vous pratiquez avec moi de malgré tout vous échauffer afin de ne pas vous blesser parce que, bien sûr, ce n'est pas le but. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà vu le mouvement karasuki, le mouvement le coup de poing sur place que je remonte ici. Et ensuite, on a vu le mouvement Oizuki sur lequel on va donc travailler aujourd'hui des éducatifs. Donc, je vais déjà vous remontrer un petit peu ce mouvement pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Voilà. C'est un mouvement qui consiste à avancer vers l'adversaire le plus vite possible et frapper au moment où on est en pleine vitesse, c'est-à-dire au moment où on est en train de terminer son déplacement. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est retravailler un petit peu ce mouvement après une pause image et, au besoin, retourner sur ce film où on l'a appris ensemble. Et ensuite, je vous montrerai un certain nombre d'éducatifs qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, de vous améliorer dans ce même mouvement. A tout de suite. Bien. Alors, lorsqu'on fait un mouvement de karaté, le mouvement est toujours centré, c'est-à-dire qu'il doit partir du centre, il ne doit pas partir d'une extrémité. En gros, ça veut dire que le hara va faire son travail. Le hara, en japonais, c'est le ventre, mais ça veut dire bien sûr beaucoup plus que ça. Mais en l'occurrence, pour l'instant, partir du principe que c'est le centre du corps et que le mouvement devra être centré. Donc, ce qui veut dire que lorsque je vais faire un mouvement comme celui-ci, si jamais mes épaules partent avant mon corps, ça veut dire que mon mouvement ne sera pas centré. Si jamais mon mouvement part du ventre et que les épaules partent en même temps, ça veut dire que mon mouvement sera centré. Donc, il y aura une globalité, une certaine unité dans mon mouvement. Et à ce moment-là, il y aura des temps d'appel que j'aurai évité. Si par exemple je fais un mouvement comme ceci, je fais un temps d'appel avant de partir, et forcément mon adversaire va voir ce temps d'appel, il va réagir. Si au contraire je pars directement du ventre, eh bien j'aurai plus de chances de surprendre mon adversaire, et c'est le but recherché naturellement. Alors ces deux élastiques que vous voyez derrière moi sont destinés à me faire prendre conscience de mon ventre parce qu'il y a application des élastiques, en fait les élastiques tirent sur mon ventre. Et quand je suis dans cette position, eh bien, je ressens cet élastique et ça présente quand même un inconvénient plus important que d'avancer sans l'élastique, sans cette retenue. Donc maintenant, je vais avec cet élastique essayer malgré tout d'aller à une vitesse normale. Et je vais faire attention à ce que mon mouvement ne soit pas altéré dans toutes ces contingences techniques. Il est bien évident que lorsque je vais retirer les élastiques, j'aurai plus de facilité à avancer vite que je n'en avais avant. Maintenant,
Autre chose, lorsque je fais un mouvement de ce type, la position est assez contraignante puisque la jambe arrière est quasiment tendue. Donc c'est assez difficile, il y a une certaine force d'inertie qui m'empêche d'avancer rapidement. Il faut bien comprendre que dans ce mouvement, même s'il se fait en unité, il existe plusieurs étages du mouvement, plusieurs séquences dans ce mouvement. La première séquence consiste à pousser très légèrement dans le pied arrière et à être tracté par la jambe avant, comme ceci. Et à un moment donné, ma jambe avant qui m'a tracté devient propulsante, en fait, elle va me propulser vers la fin de mon mouvement. Alors, tout ça, ça va se passer en un seul temps, mais ça existe malgré tout dans mes sensations. Donc je vais là pour l'instant décomposer un petit peu le mouvement et je vais simplement avancer jusqu'à la phase médiane du mouvement. Donc j'entraîne ma jambe avant à faire un travail assez important qu'il faudra qu'elle fasse quand je ferai le mouvement entièrement. Maintenant, ma jambe qui était devant va se retrouver derrière et elle va propulser mon corps vers l'avant. Donc j'entraîne encore séparément cette jambe à propulser mon corps vers l'avant pour qu'elle s'habitue à ce mouvement. Et maintenant, je vais réduire le temps d'arrêt du milieu et je vais donc retrouver l'unité dans le mouvement. Et je vais de plus en plus vite. Comme ce genre de travail est difficile à faire à deux en même temps, vous et moi, je vous demande maintenant de prendre vos élastiques, de les attacher à quelque chose qui tienne bien sûr, et de faire un petit peu ce travail avant de me retrouver pour d'autres éducatifs qui vont encore nous aider à améliorer ce mouvement. Je pose l'image et je vous retrouve tout de suite après. Bien, nous revoilà donc à notre aide à la pratique pour le mouvement Oizuki. Et vous remarquez là que j'ai deux élastiques maintenant de nouveau, mais il y en a un qui m'attache ici, qui va donc me retenir au niveau du ventre, mais l'autre qui va me retenir au niveau de la main. Donc, on va voir que lorsqu'on va faire le mouvement, ici, le bras va être bien retenu vers l'arrière et ne va pas avoir tendance à vouloir aller devant. Il aura même peut-être tendance à vouloir rester derrière. Donc, en avançant le corps, on va bien sûr avancer le poing jusqu'au bout du mouvement. Et juste avant le bout du mouvement, au moment où le pied va poser par terre, le poing va partir. Donc là, on va avoir tendance à être tiré vers l'arrière et il va falloir bien tenir la position et revenir en arrière en le décidant et pas parce qu'on est entraîné par les élastiques, en fait. Donc je remontre le mouvement une fois doucement. Et ensuite, pour développer la vitesse, il va falloir retrouver les composantes, les contingences de tout à l'heure, à savoir le mouvement de poussée du pied arrière et de traction de la jambe avant, assez rapidement, et dans le même temps, on retrouve la propulsion de la jambe arrière, qui va nous tirer vers le mouvement, et on va revenir. Donc si on regarde bien, même si le mouvement va vite, on retrouve tous ces paramètres, et on essaye de faire ça très très vite en faisant attention à ce genre de temps d'appel qu'il faut éviter, mais unité, ventre, tête qui se déplace exactement en même temps. Alors on peut le refaire un petit peu de nouveau en décomposant, à savoir 1 très rapide et 2 très rapide. On revient, 1 très rapide, 2 très rapide. En gardant toujours l'unité entre le mouvement du corps et le mouvement du bras. Voilà. Donc je vous propose maintenant de refaire cet exercice quelques minutes encore en faisant une pause image et je vous retrouve encore pour d'autres éducatifs. Bien, nous nous retrouvons de nouveau avec nos élastiques
Et maintenant, nous allons travailler sur la vitesse du mouvement. Donc les élastiques déjà permettaient d'améliorer la vitesse du mouvement puisqu'ils retenaient un petit peu le corps et ils obligeaient à forcer un petit peu plus. Mais maintenant, on va travailler sur la notion d'abord de vitesse d'exécution du mouvement, c'est-à-dire à quelle vitesse je fais mon mouvement quand j'agis, vitesse d'action, et ensuite on va travailler sur le temps de réaction qui est quelque chose de différent de la vitesse d'action. Donc je vais expliquer ça ensuite, mais on va d'abord faire l'exercice qui consiste à travailler sur la vitesse d'action de mon mouvement. Pour ce faire, je vais demander à Jean-Claude de me rejoindre. Et Jean-Claude va se mettre dans une position dans laquelle, avec ses mains, il est au contact de mon poing. Et lorsque je vais avancer pour faire mon mouvement, il va sentir mon poing pousser sur ses mains et il va reculer très très vite. Et mon objectif va être de laisser le moins de temps possible entre le contact de ma main droite sur ses mains et le contact de mon poing gauche sur ses mains. Donc il va falloir que ça se fasse extrêmement rapidement, mais bien sûr dans un mouvement normal du corps. Donc vous voyez que ce n'est pas Jean-Claude qui déclenche le stimulus qui me fait réagir, c'est tout simplement moi qui décide de partir et qui part le plus vite possible. Et Jean-Claude lui a une réaction de recul assez rapide également. Alors bien sûr, dans un mouvement comme celui-ci, il faudra bien faire attention à ce qu'on avait dit l'autre jour dans l'autre cours sur Oizuki, de ne pas tourner le pied avant de partir, parce qu'à ce moment-là, Jean-Claude serait très loin lorsque je commencerai à faire mon mouvement, bien sûr. Et je ne pourrais pas le rattraper aussi vite que ça. Donc je fais bien attention à ça. Voilà. De ce fait, j'améliore la vitesse d'action de mon mouvement. Mais un mouvement dans un combat se fait rarement de notre propre initiative. La plupart du temps, il va être déclenché par un stimulus extérieur, par une action du partenaire qui va faire quelque chose, qui va déclencher la réaction de notre réaction en faisant ce mouvement. C'est ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire que Jean-Claude est toujours au contact de mon poing avec ses mains et c'est seulement lorsqu'il va quitter le contact, on va le faire doucement, que je vais réagir pour aller vers ses mains. Donc maintenant, ce n'est plus moi qui prends l'initiative, c'est lui qui prend l'initiative et moi j'essaye de réagir le plus vite possible. De ce fait, ce que je travaille là, c'est le temps de réaction. Il y a un stimulus extérieur, combien de temps je mets pour réagir. Mais malgré tout, lorsque je vais vers lui, j'essaye d'aller le plus vite possible. Donc je travaille aussi sur ma vitesse d'action. Et c'est ça qui va me faire améliorer la vitesse globale de mon mouvement et ma capacité à m'adapter à différentes situations en pratiquant ce mouvement. Par la suite, Jean-Claude va chercher un ustensile. Et lorsqu'on va travailler avec ce qu'on appelle un pao, en fait, on va chercher exactement la même chose. C'est-à-dire que de cette position, je suis au contact, soit je travaille ma vitesse d'action, c'est-à-dire quand je commence à pousser, Jean-Claude recule et j'essaie de le rattraper très vite. Mais à ce moment-là, en même temps, je travaille la puissance de mon mouvement puisque j'ai un impact. Et bien, je recommence, donc vitesse d'action. Maintenant, Jean-Claude recule d'abord et je réagis à son temps de recul. Donc, dès qu'il y a perte de contact, en fait, dès que je sens l'absence de contact, ça déclenche mon mouvement. De cette façon, je travaille aussi bien le temps de réaction que la vitesse d'action, que l'impact, puisque je touche quelque chose et je suis malgré tout obligé de garder une bonne position technique et de garder toutes les contingences du mouvement, d'autant plus que je suis retenu et que je suis obligé de travailler avec le centre de mon corps, avec mon hara, ce qui fait beaucoup de paramètres simultanés, mais qui fait que quand j'aurai enlevé tous ces paramètres, j'aurai un mouvement technique relativement plus facile à faire. Donc je vous demande de retravailler encore un petit peu ces techniques-là si vous le pouvez, si vous avez la possibilité de le faire avec un partenaire.
et de me retrouver encore dans quelques minutes après cette pause d'image pour qu'on aille encore un petit peu plus loin. Bien. Alors maintenant, vous voyez que je suis toujours attaché à mes élastiques. Le karaté est une discipline très attachante. Mais cette fois-ci, je ne suis pas retenu par le ventre. Je suis seulement retenu par les mains. Donc il y a une chose à laquelle je vais devoir faire attention. C'est que lorsque je vais faire mon mouvement, il ne faudra pas, à cause de cette retenue au niveau des bras, je force sur mes bras et j'oublie tout ce que j'ai appris au niveau du corps précédemment. Donc il va falloir que je fasse comme si je n'étais pas du tout attaché. Et mon corps va avancer de la même façon et au dernier moment, mon mouvement va se faire. Alors bien sûr, mon bras droit ne va pas faire beaucoup d'efforts puisque lui va revenir en arrière. Alors que le bras gauche va faire beaucoup d'efforts parce qu'il va falloir qu'il tende l'élastique. Donc je fais très bien attention à ces contingences bien sûr, mais je fais comme si j'avais rien du tout et que j'avançais normalement. Toujours en cherchant une vitesse d'action assez importante, puisque là, il n'y a aucun stimulus extérieur qui m'oblige à partir. C'est simplement ma propre initiative. Alors, ce que je peux faire ensuite, c'est me tourner. Ce qui fait que maintenant, ce n'est pas le même bras qui va faire l'effort. Et là, les élastiques ont tendance à m'entraîner vers l'avant. Donc je dois faire attention à ne pas faire ceci, mais à bien retenir au niveau du centre de mon corps, de façon à être malgré tout centré et pas entraîné vers l'avant, notamment à la fin du mouvement, ni pendant le mouvement d'ailleurs. Alors maintenant, pour finir avec cette leçon, je vous propose de refaire de nouveau, comme on l'a fait par le passé, des mouvements ensemble, mais là avec un but bien précis. À savoir que là, je vais me mettre dans cette position. Vous vous mettez en miroir, c'est-à-dire votre bras gauche devant et votre jambe gauche devant. Et lorsque je vais avancer pour faire le mouvement, je vais le faire relativement vite et il va falloir que vous réagissiez à mon mouvement en faisant votre propre mouvement, c'est-à-dire que vous allez travailler en même temps votre temps de réaction et en même temps votre vitesse d'action, parce qu'il faudra que vous arriviez, si vous pouvez, avant moi. Voilà, maintenant, vous laissez votre poing droit et votre pied droit devant et vous le faites un petit peu de ce côté. Bien. Si vous désirez gagner encore de la vitesse, vous pouvez revenir en arrière et recommencer plusieurs fois l'exercice avec moi, bien sûr. Mais pour l'instant, en espérant vous retrouver bientôt pour un cours prochain, je vous souhaite un bon entraînement. Merci de votre attention.